Et salut tout le monde, c'est Jayden, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Uncharted 4. Alors nous nous étions quittés après avoir découvert le passé de Nate et avoir affronté quelqu'un en prison. Et là nous sommes partis pour la suite, donc on doit atteindre cette grande tour que vous voyez là où a été enfermé Henri Avery, le plus grand des pirates. Donc c'est parti. Alors je précise... Attendez, je laisse passer, voilà. Je précise juste pour ceux qui se posent la question, j'ai déjà essayé d'enregistrer, j'ai eu un problème de données corrompues, alors j'ai dû effacer mes données sauvegardées et refaire la partie du jeu que j'avais fait dans l'autre vidéo. Donc ça va, rien de dramatique, mais quand Enfin, même chiant. les affaires reprennent. J'espère que cette fois je n'aurai plus de problème, parce qu'en plus moi j'ai le Steelbook Collector de l'époque de sortie du jeu sur PS4. J'aimerais si possible pouvoir le Bien, garder. ça devrait faire l'affaire. Parce que j'aime tellement ce jeu que je ne peux pas m'en séparer. Enfin, j'aime tellement la saga Uncharted tout court, même si le premier est le moins prenant. Là, c'est cette cellule. Comment je vais arriver là-haut? Moins prenant, ça veut pas dire mauvais, ça veut juste dire moins prenant, c'est tout. C'est parti! Youhou! Oui! Ah, le grappin qui se rembobine tout seul, c'est cool ça. On recommence! Oui! Vous croyez qu'on va réussir ce let's play sans mort? Honnêtement, j'y crois pas. Si j'y arrive, on verra. Mais honnêtement, moi, j'y crois pas. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça sera la surprise. Alors, on va aller par ici. Olé! Oh là là, on joue la prudence. On fait pas de speedrun. Olé! Eh ben voilà! J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. Sam, le grand frère de Nate, qu'on a découvert dans le premier chapitre. Et là, cette scène-là, ça doit être par là, il me semble, mais je vais regarder s'il n'y a pas un trésor. Cette scène-là, il me semble que ça se passe avant les trois premiers Uncharted. Vous savez, les trois premiers, Drake's Fortune, Among Thieves et l'illusion de Drake. D'ailleurs, c'est marrant de voir que le 3 est le seul à avoir un titre VF. Non, je vous jure, il me semble que même le 4 n'a pas eu de titre VF. Très étonnant. Sautez! J'ai pas confiance. Oh putain! Je m'en doutais que j'aurais pas dû avoir confiance. Ah d'accord, faut que j'aille par là. Au moins Burns a profité de cette vue avant la fin. Tant mieux pour lui, écoute. Ouais, il y a des chemins un peu partout, mais moi j'essaye de trouver juste le bon chemin. Hein. Bah, mon but c'est pas faire le jeu à 100% et surtout que je sais pas où sont tous les trésors. J'ai eu le trophée à l'époque, je sais même plus comment j'ai fait. Donc voilà, on improvise un petit peu. Difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans, en attendant d'être pendus. Alors, et maintenant? Par là. J'ai du mal à croire que cet endroit tient encore debout. Les Espagnols savaient construire des prisons solides. Allez, tire, Nate! C'est bizarre qu'ils mettent ça. Il n'y aurait pas un trésor caché quelque part? Ah! Il y a une note. Oh, et moi qui trouvais les prisons modernes horribles. Je vous laisse lire pour ceux qui sont intéressés. Vous ferez pause. Moi, je reprends. Donc non, il n'y a pas de trésor. Tant pis! C'est pas comme si les trésors c'était important dans ce jeu. Attends, quoi? Je peux sauter, on est d'accord. Allez, faut bien le reconnaître. C'est vraiment trop cool. Donc là, le grappin m'avait servi à rien, sauf peut-être pour grimper. Oh là! Et pourquoi chaque fois que Nate touche quelque chose en termes de corniche, ça se casse? Ouais, qu'il voit comment tu casses tout sans le vouloir. On va pas dire que Nate a beaucoup de chance, hein. Suite. Alors, par où commencer? Bah là, il y a un signe, autant en profiter. Le soleil et la lune. Les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Une minute. Il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. Ah, c'est bien une partie du symbole. Ah, voilà l'autre moitié. Alors,
On retourne et on plie. C'est déjà plus logique. Ok, alors j'ai deux signes du zodiaque. Sagittaire et Scorpion. Il y en a un là, c'est le 10. Et il y en a un là, c'est le 2. Où je trouve le 10 et le 2. Alors le 2, il est là. Et le chiffre romain 2. Non. Alors, où il est le symbole du Sagittaire? Le Sagittaire, 10 en chiffre romain. Tous ces gribouillis et ces rayures doivent bien avoir un sens. 10, 10, 10, 10, 10. Ah, il est là. Non, c'est pas celui-là, Nate. Ah, c'est pas ça. Mais non, c'est pas celui-là que je visais. Non, mais c'est pas vrai. Non, celui-là non plus. C'est l'autre, voilà, celui-là. Le chiffre romain 10. Ah, rien. Qu'est-ce que disait la lettre déjà? Le signe du scorpion et un 2 en chiffre romain. 10 et 2, ça fait 12. Donc faut peut-être que je prenne le 12. Mais oui, le 12. Ah, il est là. Le bon, s'il te plaît, Nate. 10 et 2. X et II. Ah ben voilà! On avance, on avance! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Regarde-moi un peu ça. Une croix? C'est pas de l'or, ça. Digna factis recipimus. Je ne parle pas le latin. Donc il faut qu'on retourne voir Vargas, le gardien. Eh bien, allons-y. Allez, Nate. La première marche est dangereuse. J'avoue que là, ça donnait pas envie. Hein. Hop. C'est parti. Et on descend tranquillement. Ah, peut-être pas dû! Mais je suis fou, que voulez-vous? Allez, allez, allez. On y est. Alors, il me semble, quand j'ai fait la vidéo... Waouh! Donc, pour expliquer, quand j'ai fait la vidéo la première fois, c'est par là que ça a planté. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça ne recommence pas. Lâche! Encore une fois. Allez, Nate! Holé! J'aimerais bien voir Ray faire ça. Il saurait peut-être pas le faire. Encore un peu. Ouais. C'était mon épaule. Faut souffrir pour trouver des trésors, Nate. Voilà, Vargas. Je veux ma part. Je veux en être. Je vais t'en donner, moi. J'imagine qu'il va pas lui dire pour la croix. Attendez, l'autre, il a essayé de les arnaquer. Je veux en être, j'en veux plus. Si tu veux, mais je vois pas comment on va faire. Hein. Oh là là! Oui, je me suis sauvé. Nyon. Nyon, oui. Ok, on est revenu. Faut peut-être que je pense à me débarrasser de mon équipement aussi, parce que bon, ils vont me voir avec un grappin en prison, ils vont se dire, hein? Mais que se passe-t-il ici? C'est vraiment bizarre. Allez, grimpe. Oui. Bon, les trésors, on s'en fout encore une fois. Si on les trouve pas, c'est pas dramatique. Par ici. Il a des mouvements plus amples, j'ai l'impression. Pour un rebord plus bas. Ici. C'est moi. Beau travail. T'as trouvé quoi? Drake. Comment dire? Quoi? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? T'as bien regardé au bon endroit? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Ouais.
On n'est pas venu dans l'autre sens. C'est pas un peu dangereux de lui avoir menti s'il découvre la vérité? Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutre une semaine. C'est assez correcteur, Vargas. Presque aussi bon que moi. J'ai toujours trouvé que Nate, il avait une certaine classe. Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Oh, la vache. Il t'a vraiment pas loupé, ça va? C'est la routine. Rien de bien méchant. Allez, viens. Hey, oh, oh, oh. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire, on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raifea. Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On n'avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Raif, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il est au courant. Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh merde. Bref, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler... T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. C'est vrai que ça serait mieux pour parler d'un trésor comme ça. Ah, pour laver le linge, ouais, c'est pas bête. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Une croix. Ouh, merde. Est-ce que je peux? Fais attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus... Lis l'inscription. Digna factis recipimus. Nous recevons... Nous recevons... Ça dit, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel? Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok? L'un des deux s'est moqué de Jésus, l'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi? T'as compris? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint Dismas. Elle est en Écosse. En Écosse? Et la dernière fois qu'on a vu Avry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce trois. Ouais, bonne idée. Oh oh! Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu? Si! Je savais pas qu'il avait autant d'amis. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Tú no te metas! Ouais, ça m'a démarré les hostilités! Youpi! Lâche-moi, connard! Merci, Sam! Et hop! Allez! Déguste! Tiens, mange le mur! Tiens! Vous avez rien dans le ventre! Allez! Ah bah tiens, voilà l'autre! Tiens, mange! Ah non, c'est pas lui! Dégage! Putain, les attaques en duo, c'est génial!
Rafe, j'arrive. Dégage. Ah, mais vous êtes chiant, monsieur. Ouch. Wouhou. Et hop. Dégage. Pas de câlin, j'aime pas ça. Lâche-moi. Putain, il a bien mis... Aïe. Dégage. Putain. Ah. Oh, ça doit faire mal. Ya basta de hablar. Oh putain. Oh Vargas, tu tombes à pic. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alínense. Si? Hey. ¿Qué es esto? Oh oh. Dame. Est-ce que tu fais de la contrebande? Oh, yes. Cállate. ¿Por qué es que te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. On va à son bureau. Je crois qu'on est mal. Brrr, c'est chiant qu'il veuille sa part, il va tout gâcher. Déjenos. Déjenos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas ? T'es sérieux, là ? Oh. Non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Merci. Alors ? On est des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Très drôle. Hé, hey, hey, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord ? Vous me prenez pour un con ? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Il y a un bon travail sur les lumières, je trouve, même pour un jeu vidéo. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10%. 50%. Hein ? C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. Il est fou, lui. 25%. Comme vous autres. Ça semble équitable, ouais. 25. Ça vous paraît équitable? C'est pour ça qu'il va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Oui, 100 millions chacun, c'est bien. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me... Mais... Il est fou! Putain. Voilà, c'est réglé. T'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu veux vraiment le savoir? Mais merde, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan. Ça faisait partie du plan, ça? Suivez-moi. Allez, dépêche! Ouais, j'arrive, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est pas vrai. Alors, hey, où est-ce qu'on va? Le phare. Ouh! Vite! Courez, vous arrêtez pas! J'arrive! Allez! Et attendez, je vais juste faire un truc. Alors, je vais baisser les musiques. L'audio, voilà. Volume. Alors, les effets, on va baisser un petit peu. Les musiques aussi. Dialogue, je laisse. Cinématique, je laisse. Ouais, l'équilibrage son, c'est discutable, hein. Par là! C'est bon. J'arrive, Sam, je te suis! Waouh, c'est une drôle de prison, n'empêche. Par là! Bon, Sam, tu sais où tu vas ou pas, là? Parce qu'on est perdu ou quoi? Okay.
Ah, vite! Putain, en pleine évasion, hein. Vite! Vas-y, descends l'échelle! Merci! Bah alors, Rafe! Ouah! Vite, fuyons! J'aime pas me faire tirer dessus! Ah non! Pourquoi c'est toujours moi? Aïe! Ah, tu veux te battre? Alors toi, tu vas me lâcher tout de suite! Tiens! On prend celui-là! Celui-là! Ah bah non. Il a pas voulu celui-là, tant pis. Tiens, mange! Allez! Par où? Et on pousse! Faut qu'on s'évade de cette prison, vite! Alors, on y va. Faut qu'on se dépêche. De toute façon, on est recherché, donc... Ils sont partout. Ça va aller. Ok, ça devrait passer. Putain, on se croirait dans un labyrinthe. Et il faut croire qu'on ne peut pas s'échapper. Faut qu'on se mène le cul. Wow. Merci, Rafe. Merci. Moi je fais le grand tour. Moi je fais le grand tour, je suis prudent. Je te suis, Rafe. Hey Sam, on y est presque. Hop. C'est bon. Wouhou. C'est bon. Allez, allez, allez. Oh là là, non! Oh merde! Sam! Vas-y, je peux te hisser! Promis, je te rattrape! Je te tiens! Allez! Oh putain! Sam, non! Non, accroche-toi! Accroche-toi! Sam! Tends-moi la main! Lâche pas! Oh bordel. Allez, faut pas rester là. Non, non, il est toujours là. Non, il est plus là. Et le bateau nous attend juste derrière ce mur. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Non, non, il est... Fais comme tu veux. Sam est mort, non. On a perdu notre frère. Pourquoi? Ouais, ouais, j'arrive. Faut pas que je m'arrête. Ah non, j'ai cru que je m'étais trompé de direction, c'est bon. Saute! Oh, ça doit faire mal à cette hauteur. Oh, Sam est mort. Bon, en vrai, on avait vu la bande-annonce du jeu, on savait très bien ce qui allait se passer, mais quand même. Ils ont bien joué là-dessus. Ah. Et ouais, tout ça c'était qu'une intro. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois Uncharted qui a un générique. Ah, c'est vrai. Les 1, 2, 3 n'en avaient pas, hein. Et pour celui-là, ils ont dit, tiens, vu que c'est la conclusion de Nathan Drake, générique. Et ils ont eu raison. Il est beau ce générique, en plus il retrace bien tout ce qui s'est passé dans les 3 premiers jeux. Franchement, c'est peut-être le seul jeu où on a un générique, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, Elena. Eldorado, le premier trésor du premier jeu. Ah, Victor Sullivan, notre père adoptif, ouais, on peut l'appeler comme ça. Ah, ça c'est le 2, Among Thieves. Qui pour beaucoup est le meilleur Uncharted. Je ne partage pas cet avis, mais encore une fois, chacun ses goûts, je les respecte. Je comprends pourquoi le 2 plaît autant.
Là, c'est toujours le 2. Ah, moi, je suis capable de vous dire, ça vient du 1, ça vient du 2, ça vient du 3, ça vient du 4. D'ailleurs, c'est un détail sur lequel j'ai été très chiant avec le film. Film que j'ai trouvé très moyen, hein, et j'assume totalement. J'ai pas aimé Tom Holland en Nathan Drake. Alors qu'à côté, t'as Mark Wahlberg. Ah, ça, c'est le 3. Avec la voix de Bruno Schoel qui est là. Franchement, je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de nos gueules. Ah oui, c'est vrai qu'il a perdu sa bague dans Uncharted 3 à la fin. ans plus tard. On va continuer un petit peu. Que j'aime bien ce passage en plus. Bon, c'est un passage calme, hein. Mais bon, j'aime bien ce passage et ça vous fera une vidéo plus longue. Ouais. Eh, hey, d'après ma montre, il te reste un quart d'heure de bouteille, tu veux remonter? Non, ça va aller, ça doit pas être loin. Si tu la trouves pas vite, j'annule tout. Je vais la trouver. Ok. Mais il doit avoir un nouveau boulot, vu que... Normalement, il a renoncé aux aventures. Ouais, c'est un petit peu compliqué. J'ai vu un truc là-bas. Oh, mais ça brille! Serait-ce? Mais oui! C'est un colifichet de requin de... J'ai pas lu la fin. Hé hé, je suis fou. Là, il y a quelque chose. J'ai quelque chose, là. Qu'est-ce que c'est? La brouille, la bonne couleur. Elle s'est peut-être déchirée en heurtant les rochers. Je comprends rien. Désolé. On dirait un morceau de notre épave. Elle doit pas être bien loin. Tu m'intéresses, là, Drake. Tu m'intéresses. Donc vous cherchez une épave. Ah, voilà enfin. Je l'ai trouvée. Super. De quoi elle a l'air? Elle a souffert, mais elle est entière. Qu'est-ce qu'on a là? C'est bon, je vois à l'intérieur. J'ai l'impression que la plupart des caisses sont là. Tu peux me donner le compte exact? Ouais, il va falloir que j'aille à l'intérieur pour ça. Attends. Allez, on descend. Bon, c'est parti. On remonte au moins ça, puis je m'arrête. Hein. J'ai dit, je vise pas des vidéos trop longues. Voilà. Salut les petits gars. C'est bon, je suis dedans. Ah, on dirait qu'une grande partie est encore attachée. Alors, on a une, deux, trois, quatre. Bon, si j'ai bien compté, il manque deux caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Attends, tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler? Je suis sûr que la... J'en ai trouvé une. Mince, j'ai coupé Nate. Ah, merde. La caisse est coincée sous la remorque. Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre. Et après, on te soulèvera la remorque. Ah, tu vois, c'est pour ça que tu touches les grosses primes. Ouais. Ah, là, voilà. Ah, j'ai trouvé l'autre caisse. Une de trouvée, plus qu'une. Mets-la dans la remorque, on arrive sur ta position. Ça marche, à tout de suite. C'est marrant comme système, ça. C'est pas un système qu'on va utiliser souvent dans le jeu, mais c'est marrant. Allez. Et voilà, une caisse de sécurisée. Pile poil. On est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Ok. Donc il faut qu'on attache le container à ça. Enfin, les câbles au container, plutôt, parce que... Voilà. J'ai le câble. Je vais essayer de l'enrouler autour d'un des essieux. Ça devrait marcher. Ouais. Comment on fait? Eh bien comme cela. Ils ont bien bossé la physique du jeu, hein. Voilà pour le premier. Voilà. D'accord, garde un œil sur ton oxygène. Ouais, c'est bon. Le deuxième, c'est en dessous. Comme ça, c'est simple. Mais efficace.
Ouais, il est un petit peu bugué dans les déplacements, c'est pas grave. Et voilà pour le deuxième. La remorque est attachée, à toi de jouer. Ok, écarte-toi, on va soulever. Vas-y. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. La caisse. Ok, ça te suffit? Ouais, parfait. La lâchez pas sur moi. Alors, j'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Là-bas. Bien, on s'en sort bien. Allez. Et voilà. C'est réattaché. Encore 5 bonnes minutes d'oxygène. Bon sang. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas, voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte? Oui, pourquoi pas. Reviens-moi une fois sur les élingues. Allez. On remonte. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti. Youpi! Mieux maintenant que je suis sorti de la rivière. Je vais buer le poisson pendant une semaine. Ok, on vient te chercher un peu de patience. Je suis patiente. Ils sont beaux les décors, je trouve. C'est un détail, mais je les trouve réellement beaux. Ça va, les gars ? Faudrait peut-être enlever ton truc, Nate, maintenant, ton masque, vu que tu peux respirer. Tu peux descendre? Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Elle est légère, cette bouteille. Eh, hey, avoue que je te facilite la tâche, là. Drake, je t'avoue que c'était pas la plongée la plus reposante à laquelle j'ai assisté. Attends, c'est un compliment? Parce que là, comment j'en peux plus. Comment ça va, là-dessous? Ah, tu sais ce qui est impressionnant? Ton odeur. Je sais pas trop, moi je l'aime bien. Ça me fait penser à ta mère. C'est pas cool, mec. Je vais lui dire que t'as dit ça. Tu peux le citer, je crois qu'il s'en fout. Bah écoutez, on doit aller voir cette personne là-bas, Jameson, mais on ira dans la prochaine vidéo, parce que là, je pense que ça fera une vidéo assez longue. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !